Alors, pendant la pub, ici, il se passe plein de choses. On a eu l'arrivée... Il y a le mime Roland Doublan, qui est le seul mime sonore du Festival d'Avignon, qui reste hors Avignon. Le mime Roland Doublan, ici, au Hall d'Avignon. Oh, je prends un verre. Ah oui, ça se voit. Je bois. Le mime Roland Doublan. Je suis en train de marcher et je fais semblant de reculer en marchant. Incroyable. Le vent vient dans mes cheveux. Incroyable. On voit et tout ce qu'il fait. Suis bouleversé car je viens de me séparer de ma mère. Ça se voit dans son œil. Qui vient de mourir d'un cancer. Ah, c'est moi, évidemment, c'est moins réussi ce moment-là. Je suis en train de faire du funambulisme. Roland Doublan, on vous pose deux, trois questions, Roland Doublan. Oui, bien sûr. Vous êtes le seul mime sonore de France. Quelle est la différence d'être un comédien? Je sais que vous détestez ce mot de comédien. Attendez, remontrez-moi. Ça m'envoie des renvois gastriques. Comédien. En revanche, mime. Mime, voilà, c'est noble, on est dans l'espace. Alors je rappelle que vous détestez bouger. Vous êtes un mime plutôt immobile. C'est ça. Et qui parlait. Et souvent, je mime à l'intérieur de moi, j'imagine que je suis en train de mimer quelque chose, et dans mes yeux doit transparaître le mouvement que je suis en train de faire. Alors vos yeux sont cachés par des lunettes de soleil, ce qui n'aide pas. Oui, parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai les yeux très bleus. Et vous aimez bien faire vos mimes au téléphone, vous dites je déteste sortir de chez moi. Oui, tout à fait. Merci. Je reprends. Parce qu'on est en résidence encore. Oui. Mois et demi. Vous êtes. Est en sortie. On va faire une sortie de résidence dans un mois, donc justement dans les Halles. Donc vous êtes programmé. On sera juste devant. Vous savez qu'à Avignon il y a un festival de théâtre. Vous étiez au courant? Non. Ah bon, vous n'êtes pas. Vous ne serez pas booké cette année. Sans doute. C'est en juillet. En juillet. Non, je peux pas en juillet parce que Atmen, vous êtes. Je pars à la Bourboule avec.